Mon nom, c'est René, je viens de Saint-Hyacinthe. Dieu m'a appelé à venir à Hong Kong en 1989. Puis en 91, je suis déménagé avec ma famille. On s'est joint à une petite église qui s'appelle Lighthouse, qui venait de naître. Et dans notre église, on a beaucoup de femmes de Philippines qui sont venues comme aides domestiques à Hong Kong. Et puis, à cause de la nature et la constitution de notre église, bien, beaucoup de ces dames-là ont été formées dans le ministère à notre église de Lighthouse à Hong Kong. Et ensuite, sont revenues dans leur pays respectif, aux Philippines. Et là où ils étaient, ils ont tout simplement commencé à évangéliser les voisins, leur famille, les enfants. Et là, tout d'un coup, une église est née. Et ça, ça a été le pattern qui a suivi de beaucoup d'églises. Maintenant, nous avons 12 ministères, 10 églises et 2 ministères là, qui sont en train de se développer. Et en 2008, l'idée de faire une mission médicale est née. Avec la mission médicale, ça nous donnait accès à tout le village ou la communauté environnante de cette petite église pionnière qui était là. Donc, c'est vraiment là la vision qui est née. C'était de venir premièrement pour évangéliser la communauté avec eux, mais deuxièmement aussi, c'était de pouvoir permettre à cette petite église sans ressources de leur fournir les ressources pour avoir une percée dans la communauté, se faire connaître et se faire connaître comme une église qui est efficace, une église qui a des ressources et une église qui est capable d'apporter du bien dans la communauté. De cette façon-là, on peut avoir presque toutes les familles qui viennent à nous cette journée-là quand on est dans leur village. Et ils peuvent entendre le message de l'Évangile, avoir de la prière, du conseil. Toute la journée, ils vont entendre l'Évangile. On a un gros, gros programme pour les enfants. Tous les gens qui viennent à cet événement-là, qu'on appelle la mission médicale, tout le village, incluant le maire du village, les conseillers se joignent à nous. Donc, on atteint vraiment toute la communauté. Et on annonce toujours que la mission médicale est faite par l'Église qu'on représente. On devient comme les serviteurs de l'Église et les serviteurs de la communauté, toujours pour honorer et supporter le ministère local. Notre église Lighthouse, on a toujours dit qu'on n'est pas une église qui plante des églises. Ça n'a jamais été notre vision. Tout ça, ça s'est fait par la main de Dieu et par les pasteurs qui sont venus ici et qui ont débuté. Ce sont les gens qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont reçu l'appel de Dieu pour eux-mêmes, qui ont cru et qui ont avancé.